Quelques bancs, autant de tables recouvertes de toiles cirées, une clientèle qui patiente devant une bassine en plastique, d'attiéké et poisson. C'est vendredi et nous sommes au restaurant Canon. Le responsable Monpaibo, dirigeant spirituel à l'Assemblée des Arts de Cocody, marié et père de famille, a su mettre en pratique le conseil du sage Salomon qui affirme dans le livre de Proverbes, le chapitre 14, le verset 23, que tout travail procure l'abondance. Se retrouvant sans emploi dans les années 2008, il décide d'entreprendre en investissant ses petites économies dans une activité qui n'intéressait que les non-nationaux à cette époque. Il s'agit de la vente de garba. Ce plat à base de sémoulé de manioc et de thon frit dont les Ivoiriens sont si friands. Depuis lors, le chômeur s'est transformé en pourvoyeur d'emploi. Moi, j'étais quelqu'un qui ne faisait rien. Et avec mes petits contrats que j'avais, cela m'a permis d'avoir un peu d'argent. Et je me suis mis dans une activité du gabadrome. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, ça m'a stabilisé et je me suis marié à la suite de ceci. Donc je peux dire aujourd'hui que non, le gabadrome nourrit son homme. Hein? Je suis dans mon bureau, j'emploie des personnes, ils sont là. Voilà. Et je pense que je me sens vraiment très à l'aise dans ce que je suis en train de faire. Après un heureux début, son entreprise bascule du fait de plusieurs épreuves, en particulier la maladie de son père qui exigeait beaucoup de dépenses. Déterminé et convaincu, il a toujours cru que le juste tombe cette fois, et cette fois, il se relève. Le moment de la crise au pays était vraiment difficile. Et vraiment, les activités étaient vraiment très rares. Et les moyens n'y étaient pas. Et mes frères, parfois, ils étaient découragés. Je leur disais « Non, ne vous découragez pas ». Et ça va aller et franchement, par la grâce de Dieu, étant un enfant de Dieu, je me mettais beaucoup en prière, hein, dans le jeûne, la prière, et ça a vraiment porté. Ce qui a fait qu'on a toujours demeuré ici. Aujourd'hui, Honoré est épanoui, il s'occupe de sa famille et emploie 4 personnes. Plein d'ambition, il s'est donné comme objectif de rénover et moderniser son site actuel, puis implanter son entreprise dans différents endroits d'Abidjan. Monpaibo a compris que la fainéantise rend pauvre. Il est un modèle pour plusieurs qui manquent de prendre des initiatives, croisant les bras, sous prétexte qu'ils attendent l'emploi idéal. Il ne manque d'inviter en particulier la jeunesse à se lever et entreprendre dans des activités selon la volonté de Dieu. À l'instar de Paul Laprote, faiseur de tente, ou encore de Pierre le pêcheur, nous apprenons avec le frère Honoré que le recrutement à la fonction publique ou encore dans des sociétés privées ne sont pas les seules portes génératrices de revenus et des stabilités socio-financières. L'entrepreneuriat l'est encore plus. Et l'adage le dit si bien, il n'y a pas de saut métier.